La perruche à collier va être retrouvée principalement dans les zones urbanisées, les parcs, les jardins, où on peut trouver des arbres assez grands et avec, avec la présence de cavités. La perruche à collier va être assez omnivore, elle va se nourrir de tout ce qu'elle peut trouver, mais principalement des fruits et des graines. C'est une espèce qui va avoir de forts liens sociaux et va vivre plus en groupe. On va rarement la trouver solitaire. Alors c'est une espèce qui ne sera pas menacée et qu'on pourra noter d'exotique puisqu'elle a été introduite en France un peu partout, notamment à Paris. Elle est apparue dans les années 70 où les premiers individus sont sortis de l'aéroport d'Orly où une cage s'est ouverte. Alors c'est une espèce qu'on va noter d'exotique, envahissante, car elle a un impact sur les espèces autochtones. Cet impact principal sera la compétition pour les sites de nidification.